Et normalement, il y a une lumière qui s'allume, c'est le viseur, tu sais, c'est automatique, on va dire. T'es censé tirer dessus. Voilà. Toi, tu as plusieurs pins. T'en as 5, je pense. Oui, c'est ça. Et juste au-dessus, ça te dit combien de mètres. Toi, si tu pointes un rocher ou un arbre, ça va te dire 20, 30, 40. Et à chaque fois, tu vois il y a une lampe qui s'allume. C'est ton viseur. C'est là où tu l'as tiré. D'accord. Donc quand il est très près, il t'indique rien. Le Donc plus simple quand à toi même, de gérer. c'est d'aller à un stand de tir à l'arc à flèche, c'est sur Logger Point là. Ouais, je vais y aller. Bah, Le plus simple. j'irai m'entraîner un petit peu, mais voilà. C'est Ouais, mieux, ouais, c'est, ça. je te dis, c'est comme je te dis, hein. C'est comme je te dis, au fait. Il te dit combien de mètres et la couleur elle change. Enfin, je crois que c'est toujours rouge, je sais pas. Ouais, c'est ça, ouais. Et le point il change au fait suivant la distance que t'es. Que si t'as pas la, t'sais, la petite lunette, l'appareil là, c'est les points, c'est 20, 30, 40, 50. Quelque chose comme ça, du moins. Mais je crois que c'est automatique. Tu vises où ça s'allume. Me semble à 4,54 et éthique pour le cochon sauvage, hein, si je dis pas de Ouais, bêtises. je pense bien. Le 454, tu peux tirer avec, hein. Tu tires le sanglier, le cochon, l'élan, l'ours. Le renne, faut pas tirer avec. Enfin, le renne, c'est comme les lofs. C'est au 44. Oh, il est toujours en fuite ce cochon, ça va pas ça. J'ai un ami qui arrive chez moi, je repasserai après, les amis. Ça marche. User disconnected from your channel.
Hey, je le camouflage, j'ai l'anti-odeur, il m'a reniflé quand même, sans forêt. Pourtant, il n'était pas si près que ça. Qu'est-ce que tu nous as fait comme carte là? Ça flotte, ça flotte, ça flotte, ça flotte. Oh, ça arrête pas là, c'est bon, c'est fini là. Le soleil, hein. Ah non, il est pas arrivé chez moi le soleil encore. Ah ben il va pas tarder. Moi ça s'est arrêté là. Ah, errance. Espèce d'enfoiré, moi. Je vais te baiser la gueule. Je la trouve tristounette, cette carte, un peu. Ça veut dire qu'il faut que je change de carte, c'est ça? Non. Mis à part les canards, j'ai très peu joué dessus, donc. Non, de base, quand ils avaient annoncé des marais, machin, etc., du bon. User joined your channel. Oh, shark! On le vient, shark! On le vient! Oh, on y va! Ça, c'est un revenant. Bien et vous, les gars? Ça tranquillement. Va tu m'as manqué, mon gros. Ah, oui. Oh, oui. Ah, bah, tu vois, j'ai fait une petite pause. Là, ça commence à me sortir un peu par les yeux. Et puis voilà, quoi. J'y tiens, je vais refaire un petit tour, quoi. Ils ont quand même amélioré un peu, hein.
Ouais, bah d'après ce que je vois, ouais. Ah, j'ai trouvé un copain. Allez, viens sur ma map, viens. T'es où, toi? À Bayou. Ah, t'es à Bayou? Ouais, tu l'aimes bien, copain. Celle-là. Attends, je retrouve. Pas mal. Et le mot de passe, c'est 2014. J'ai pas compris le mot de passe. Le mot de passe 2014. D'accord. Bonjour ici. Salut Dylan. Hello, ça va bien? C'est dimanche quoi. Mais, ouais. Bon, Rennes 9. Oh rien, et toi, la chasse? Ouais, ça va prendre un peu ce matin. T'as eu quoi alors? Bah, j'ai vu craquer un peu, j'ai vu une truie, j'ai pas tiré. C'est pas ce que je voulais. On va y retourner tout à l'heure, on va faire un tour. D'ailleurs, je sais même pas si je vais pas partir en fait. J'hésite entre chasser sur le PC. Bon, mon mal est à terre. Et c'est pas marrant, il fait chaud quoi. Vous êtes tous sur la même partie? Ouais. Il y a quoi? Aruviel, moi, Greview, Shark, dans les quatre. Ah, c'est chaud. Désolé. Oh, il est encore en fuite, c'est pas vrai. Ah bah dis donc, c'est la fête du nounours ici. Alors, petite femelle. Est-ce qu'on va se mettre un bon angle? Touché. Bon, donc, alors, hop là. Il est type pas mignon celui-ci. 21, pas mal. Il est type pas mignon celui-ci. Allez. Hop, un petit trophy shot. T'es enfoiré le cochon, je vais le saccariner. Ah, il n'arrête pas d'être con avec moi là, je vais être con avec lui, tu vois, t'as l'air. C'est les ours noirs normalement sur cette carte. Ouais, mais il y a des blancs hein. Celui que je viens de tirer là, il était il était tout bien clair. Ah. Ah putain, j'ai une merde, je peux plus avoir l'intermate. Pourquoi? Bah je sais pas, je peux avoir que mes flingues, il veut plus se mettre. T'appuies sur tabulation? Bah ouais. Ah putain, bah, faut que je quitte puis que je revienne quoi, j'ai une merde en fait. Oh ça fait chier, bordel de dieu. Ouais, mais c'est mon machin qui a planté quoi. Quelle merde. T'as désactivé la touche? Hein? T'as désactivé la touche ta table? Non, j'ai rien désactivé, mais putain, je comprends pas. Je comprends pas. Mais va sur le menu et mets le pad sur quelque chose. Ah putain, oh, ça me casse les couilles, attends, je fais qu'il prend. Oh, c'est un chier, des fois ça me le fait un coup de temps en temps, je comprends pas pourquoi, mais. Les couilles, pète un câble, bordel. Quand il est tout brun, comme ça, lui, c'est pas un canal. Logiquement, ouais. Tu peux trouver du canal, le chocolat. Là, c'est du canal. C'est de la voilà. Là.
Magnifique. Et là, j'ai un petit chocolat qui m'attend devant moi. Il y en a qui l'ont déjà testé, la carabine, la 7 mm. Oh oui. Puis ça donne quoi? Oh. C'est du Magnum, hein. T'as pas l'impression qu'ils ont un peu nerf ou quoi? Surtout au niveau du bruit. Si, si. Ouais, simplement, ouais. J'ai l'impression, ouais. Puisque j'ai l'impression sur le tir, quoi, mais au tout début, c'était magique. Là, au niveau quand tu mets des viseurs, en fait, j'avais l'impression qu'au début, j'étais comme si j'avais mon arme qui était améliorée à fond. Tu vois, quand je zoomais, j'avais l'impression que j'avais pas de battement, tu vois. Et maintenant, je suis bien développé avec l'arme. Et non, c'est encore pire qu'au début, tu vois. Genre, je pense qu'au début, ils avaient mal configuré, c'est le fait de diviseur, puis par rapport à l'arme, c'est par rapport au skill. Elle bougeait pas trop, ouais. Ouais, ça bougeait pas trop. Et là tu zoom, quand t'as le troisième zoom, c'est horrible, quoi. C'est pour ça que les mecs, quand il y a une arme qui sort, ils se dépêchent vite de la terminer parce qu'ils savent qu'ils vont la faire downgrader, quoi. Je vois pas l'intérêt personnellement, ça doit rester un plaisir de chasse, mais les mecs qui farment ou qui utilisent des pas des bugs entre guillemets, mais des facilités pour pouvoir repérer les armes super rapidement, je vois pas spécialement l'intérêt. Moi non plus. Moi j'aime bien les difficultés quand je tire, c'est sympa. T'anticipes en fait. Espèce de connard de cochon, je vais te niquer. Franchement, ça fait trois fois que tu me fais fuite. Hein. Ça me plaît pas du tout, mais du tout. Tu l'as tiré avec quoi? Ah, je vais le tirer avec la 7 mm, il va pas chercher à comprendre. Mais... Dans le premier, tu l'as mis avec quoi? 7 mm, oui. Ah non, la tête, bim. Je sais pas, je dois être un rare en fait, pas vraiment accroché sur la 7 mm. Hein. Pour certaines espèces, je dis pas, hein, c'est bien. Mais alors, tout ce qui est gros cochon, élan, ours, machin. Je la trouve pas spécialement agréable. J'ai un gros de 205 kg qui s'amène vers moi. Ah, t'es là, toi. Je t'attends. Viens là, mon sagouin. Petit. Viens donc voir Réré. Ah putain, il est où ce tapot de merde? Ah, te voilà, salopard. Je t'ai niqué ta race. Que de violence. Tu vas arrêter de me faire. Oui. En fait, Vinny, ça l'énerve. Il est obligé d'insulter les animaux. Tu l'as pris ta balle, salopard. Surtout quand ils me prennent pour un con. Je les respecte, moi, les animaux. Mais s'ils me prennent pour un con, non. Faut pas pousser. Mémé dans les orties. Voilà. Et en fait, vous avez revu Chris ou bien? Oui. Il est revenu, c'était hier, il était là. D'accord. Non, on a des petites news, il est pas très actif sur The Hunter, mais il jouait à pas mal de jeux de simulation, je crois, récemment, puis voilà. Ouais, Euro Truck. Ouais, bah j'étais dessus un temps, mais... Voilà quoi. Alors, j'ai eu pas mal de trucs ces derniers temps, là, on a beaucoup été invités.
Alors ça fait que j'ai pas eu de nouvelles du gros depuis 2 ou 3 jours, je crois, un truc du genre. J'ai dit, tiens, je vais faire un petit saut aujourd'hui. Puis j'ai vu qu'ils avaient mis une nouvelle tour, là, déployable. Je l'ai pas encore testé, celle-là. Tu l'as dans ton sac? Je l'ai pas dans le sac, non. Dans l'inventaire? Ouais. Tu l'as, là? Ouais, je l'ai, ouais. Magnifique. Donc, il paraît qu'il faut 24 heures pour la foot. Hein. Mais 24 ouais. heures en jeu. C'est rien. Bah, il mettait 24 heures réelles. Ouais, mais ça, c'est pas un problème. Tu la poses un soir, tu reviens le lendemain, elle est là. Hein. C'est pas. Ah, bah ouais. Le lendemain soir, évidemment. C'est 48 heures heure de jeu, donc 24 heures temps réel qu'il mettait, d'après ce que j'ai vu. Mais t'as vu, 1000 EMS, il se mouche pas du coude, hein, quand même. Moi, ouais, j'aime bien quand il parle à Shrek. Shark. Shrek. Ah, le fumier. Non, j'ai un collègue qui s'appelle Shrek, et toi, tu t'appelles Shark. Donc, ça s'en mêle dans la bouche. Tu m'étonnes, moi, tant que ça sort pas du nœud. Il est con. Oh, adieu. Putain, on est des chasseurs, les mecs, on n'est pas des gays, hein. Ouais, arrête. Putain. Et pourtant, c'est bien les chasseurs gamers. Samaritain mute. Non. Aïe. Non. Moi, ça ne va pas du tout. Je n'autorise pas ce genre de choses. Je suis désolé. Moi non plus. Ah, moi, je cautionne pas non plus. Bon, mais alors mute. Allez, hop, tous. Au revoir. C'était un plaisir, Tilup. En plus, en plein stream. Non. En plus, ça paye pas. Bon, t'as de la chance, y'a personne qui mate ma chaîne. Ça serait bien poil au moins. Ça terminera quand même sur YouTube. Hein. Et au fait, les gars, vous savez quand c'est qu'elle sort la nouvelle map? Non. Bah, je crois que c'est courant du mois, autour du 20 septembre, hein, il me semble. D'après les news que j'avais vues. Improbable. Je sais pas, t'as eu des news toi de la map ou pas tellement? Non. Bah, je suis plus du tout sur les forums, hein. Eh ben, il paraît que ce sera dans les Alpes, ils l'appellent la vallée des bois. Et puis, si tu veux, ce sera un terrain qui sera vachement escarpé, donc pas mal de nouveautés, du style, il y aura de l'escalade à faire, avec les risques que ça comporte et tout. Hein. Ah bon, parce qu'on peut crever? Ah ouais, d'après ce que j'ai vu, ouais. Donc escalade pour aller au plus haut point, ça s'est escarpé, j'ai vu, il y aura des cordes, tout ça. C'était sur le Game of Death, ça. Il y avait des photos où tu voyais un mec grimper sur une corde. Oui. À la fin du truc. Voilà. Donc. On va faire des cliffhangers. C'est cool. Moi, ce que je vais m'éclater à faire, c'est que je vais attendre que Vinny monte à la corde et je vais tirer à l'arc sur la corde. Ah, t'aimerais que je me crache la gueule, hein? Hein? Oh, mais non. J'aurai ma boîte à pharmacie, t'en fais pas, va. Ben, j'espère qu'il va payer, hein, ce cochon là, la con, hein. Il m'aura fait tracer, hein.
Après j'ai croisé un ours là, il s'est mis en fuite, il a dû me sentir je pense. J'ai eu le temps de lui mettre une petite balle dans les fesses. Et je pense que je suis parti pour un tour de piste. Ouais, c'est une erreur ça, hein, de tirer. Bon, tant que j'ai pas une bonne fenêtre de tir, je tire pas. Je l'observe. Ah mais bon, vu qu'il était en train de partir en fuite, j'allais pas cracher sur la sangria. Oh. Décidément. Si tu le vois comme ça. Tiens, il est devant moi. Je sais pas s'il est en train d'agoniser ou si... ou s'il est en train de se reposer. Donc... on va tenter une approche douce et si jamais il bouge, il prend une douille de 4,54. Tiens, il a osé bouger. Bah oui, bah mon gars. En tout cas, ça l'a séché, hein. Ouais, 1454, il ne pardonne pas, hein. Ouais, il était en train de se relever, là, il s'est dit, je vais me casser. Non, non. Ah, parce qu'il dormait, en plus. Ah, il était en train de se reposer. Oh, tranquille. Pépère, ouais. Quoi. Bah ouais, pépère. Il s'est dit, non, non, mais je me casse. Démerde-toi. Non, non. Tu l'as touché où? Le deuxième, j'ai fait hip liver, il a tout traversé en fait. Allez, on va te relever un peu la tête. Décidément. Allez, viens par là. Allez, viens mon Virginie. Viens par là. Je vais te mettre un coup de snake beat. Ouais. Ouais. Je suis vachement en retard sur les ours noirs. Pourtant les ours bruns sur Emaldal, je les ai taquinés déjà un petit peu, mais les ours noirs... Séché. Voilà, ça c'est du bon sang. Ah, la pédale, où c'est qu'il est? Alors, revenons à nos moutons. Voilà. J'ai dû le louper quand même, le cochon. J'ai tiré une fois sans l'avoir eu. Ah, il y a quand même le trace. Eh ben, dis donc. Je vais d'avoir la trace de sang maintenant. Alors que quand je l'ai suivi, là, il avait rien. C'est peut-être écorcher le puceau sur un arbre. C'est gueudin, hein. J'ai une balle à retardement, moi. C'est quoi cette connerie? Quoi? Bah putain, j'en avais un en joue. Je mets un coup d'appau, je le vois plus maintenant. Alors ça, elle est pas mal. Oh, qu'est-ce que t'as mangé toi à midi là? Bon, ah, le voilà, le voilà, le voilà, le voilà, le voilà. Ah ben non, c'est un ours. Elle est pas mal celle-là. Oh le fils de pute. Tiens, dans ta tronche, l'ours. Je sens bien moi que le maturity rating sur YouTube, il va falloir que je le monte tellement vous lâchez de gros mots les gars.
juste. C'est que le, c'est que le début de la partie et les mecs. Mais... Ah, je suis deux putes et tout, alors que le charnière. Mais tu sais que bientôt il va dire putain, ça y est, il est mort, je sens ma bite, je pisse dessus. En tout cas, le chasseur, quoi. Merde. Ah, mais c'est des versions de la chasse. Hein. Mais tu sais pas ce que tu devrais marquer. Plus de 18 ans, voilà. Moins de 18 ans, s'abstenir. Certaines scènes parodiques risquent de vous vexer. Mmh. Oh là là, je lui ai cassé la tête. Hein. Crâne et vertèbre 2. Eh ben non, elle a bien traversé celle-là, hein, là-bas. Là. Elle a fait bon. Anus, poumon, cerveau. Ah, et toi, tu oses dire qu'on parle méchamment. Il est mort, il est là-bas, je le cherche depuis tout à l'heure. Petit couillon, va. Voilà, c'est bien que j'avais baisé. John Spartan, vous avez une amende d'un crédit pour infraction au code de moralité du langage. Ah bon? Eh, hey, il a de sacrées dents, hein, Tilop. Ah. Ah, c'est le temps que je voulais faire ce matin, mais tant pis. 185 kilos. Magnifique. Bon, allez, Vinny. Tu répètes après moi ou quoi? Comment? Répète après moi. Oui. Ma mère me donna 100 sous. C'est quoi ton truc? Répète. Ma mère me donna 100 sous. Pour m'acheter des bretelles. Pour m'acheter les bretelles. Chemin, alors. J'ai pas compris là. Chemin allant. Ouais, vas-y. J'ai rencontré grand-mère. Où vas-tu, mon enfant? Je vais au bordel. Garde tes 100 sous. Je ferai bien l'affaire. Chemin rentrant. J'ai rencontré mon père. D'où viens-tu, mon enfant? Je viens niquer grand-mère. Fils de salaud. Je viens niquer ma mère. Tu viens niquer ma mère. J'ai niqué ma mère. Tu viens de niquer? Non. Oh, le travail. Et ça, c'est à l'armée, ça, non? Ah, mais putain. Ouais, mais tu t'embrouilles, là, c'est ça. Et après, c'est t'as bien niqué la mienne aussi. Eh oui. Ah, Grévio. J'ai compris le truc. Il adore tirer, Grévio. Oh, mais il me fait chier cette tour, ça fait au moins 10 km que je cavale la fin.
Bah c'est pas fameux vos chansons les gars durant les périodes de chasse, hein. Pourrait prendre des trucs un peu plus enjoués, un peu moins grivois. Bah, je sais pas, chante à Goya peut-être. Non. D'un matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui avait un fusil. Bon. J'ai tout taqué les gars. Voilà, voilà. C'est comme ça. Ce sont les herbes de Bayou. Quand tu les fumes, ça te fait péter un plomb. Non, oh bah, bah, Dieu, oui, t'as pas que la casquette qui pète là, hein, Dieu. Oh, pinaise. J'ai un ours qui vient de me fuir devant le nez. Ah bon, je croyais qu'il t'avait léché le slip. Putain, je vois rien, moi, y'a pas un cornard là-devant, hein. Un cornard ? Ouais, ah, ouais. Si j'avais l'impression, j'ai jamais entendu cette expression dans les films des années 1960. Oh, mais c'est qu'il est vieux, hein, le chat. Dis donc, arrête. Il a même de la moisissure sur le crâne, hein. Ah, je te promets, bourgine ou funesse et tout, quoi, j'ai l'impression d'entendre, là-haut. Bon, je suis au bout de la map là, ça va pas ça. Tant que t'es pas au bout du rouleau, c'est bon. Ah, c'est l'angoisse là. Ah, remarque, si je passe par là, ça va aller. Putain. Ah, et pareil, j'ai vu aussi qu'ils allaient mettre des deltaplanes. Ah, hein. Comment tu vois ça? Ah ouais. Impossible. Tu te vois tirer sur un delta plane? Je pense pas que ça va se faire. Hein. Ah ouais, c'est à force de regarder vos vidéos, ça. Ils vous voient planer comme ça et tout, du coup, ben, ils vont vous aider à planer, quoi. Ouais, pistage Virginie 11. Oh, punaise. Oh, le saloupio dit. Oh là. Et il est beau en plus. Moi j'adore quand un ours se rebiffe, ça fait impression. Oula, il y en a un deuxième, dis donc. Voilà, t'es dans la merde, t'as tiré sur deux ours, tu vas tracer deux ours. Non, 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 le deuxième est mort, le deuxième est mort. Le deuxième, il s'est fait la malle, mais il a pris au moins une balle. Et le deuxième, je l'ai couché, je pense que je l'ai eu à la colonne. Ah non, 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 tu fais 5 ours que je viens de me faire déjà. J'ai voulu prendre la 300, mais j'aime pas du tout. Elle est bien pour Emendal. Tu sèches vite les ours comme ça. Ouais, dans les arbres, elle est vraiment pas évidente. Le temps de rechargement est super long. Ouais, c'est un bot. Hein. En plus, le premier que j'ai vu au loin, là, il était pas chocolat, en fait. Il était un peu gris. C'est un polaire ? Non, pas blanc. Bon, gris, mélange noir, gris. Non, mais attends, les ouais, polaires, c'est pas blanc, c'est hein. C'est pas gris, ouais, ouais. C'est pas l'ours polaire du... Oui. C'est noir et gris, hein. Donc effectivement, le deuxième, je l'ai bel et bien touché à la colonne. Donc il a pas eu le temps de grimper la montagne. Et ça doit être les traces de mon deuxième. Enfin, de mon
premier. Et... je pense pas que la deuxième balle que j'ai tirée l'ait touché par contre. Il était un tantinet un peu loin. Ah, va te faire enculer, va. Oh là 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 là, c'est catastrophique. Oh la vulgarisation. Oh là là là. La vulgarisation. Oh là. Ah mais merde, j'ai pas envie, j'ai barré. Oh écoutez, je suis au premier café hein. C'est de pire en pire quoi. Bon qu'il est passé le corneau là. Ah, Colbert, juste devant moi, tiens. Tiens, encore un qui est en train de... Il me regarde. Ah, il est en train de se reposer aussi, celui-là. Oh, ils sont feignants avec toi, hein. Ah ouais, mais attends. Moi, c'est rare que j'en vois des ours se reposer. Voilà. Par contre, je pense que là, il a pas du trop apprécié la balle que je lui ai mis. J'ai le signe, il y a des canards juste à côté de moi. Tu quoi ce bordel hein. Vas-y, mais le reste suppos, hein. Ah ouais, il est... Il est gris. Putain, sans déconner, il est barré où l'autre cul ? Oh ! Mais c'est que le score est pas mal. Allez, on va prendre la petite pause. Ah, dommage, j'aurais pu me faire un canard au vol. Ouais, t'es sympa. Mais tire-toi, je vais venir te caresser la colonne de dehors. Oh, ce type a mis... Un crevard, moi. Il a pris la deuxième balle que j'ai mis pour l'achever pendant qu'il était en train de se reposer. Il l'a pris sur la truffe. Oh, j'ai pas assez de matériel pour voyager. Oh non. Ah si, c'est bon. Après, j'en ai plus. Ben voilà. Bon, rester au bord de l'eau, ça paye hein, pour les ours. Ouais. Ça paye bien. La tête de vache, l'autre il s'est barré. Oh putain de merde, je me suis coincé. Bon, allez, sur ces belles paroles, je vais aller manger un morceau.